وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On suit notre cours, Inch'Allah, sur l'explication de certaines règles du jeûne de Ramadan et du jeûne en général. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de certaines règles liées à la rupture du jeûne et à l'imsak, au fait d'arrêter de prendre toutes les. De manger et de boire et toutes choses qui peuvent corrompre le jeûne au moment du fajr. Premièrement, si le cadran solaire en entier s'est caché à l'horizon, alors le jeûneur a rompu son jeûne. Par exemple, on suit le calendrier. On voit que dans le calendrier, à 20h43, l'heure du Maghrib, elle est bien rentrée, le soleil s'est bel et bien couché. Et que bien sûr, nos montres qui sont autour de nous, elles ne sont pas en avance. Alors, si le Mouaddin, par exemple, tarde d'une, deux, trois, quatre, cinq minutes pour faire l'adhan, est-ce qu'on attend que le Mouaddin fasse l'adhan ou on peut rompre tout de suite? On rompt le jeûne tout de suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari, si la nuit arrive d'ici, c'est-à-dire de l'est, et la journée part par là, c'est-à-dire part de l'ouest, et le soleil s'est couché, le jeûneur a rompu son jeûne. Non. Et la sunna, c'est de se dépêcher de rompre le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les gens ne cessent d'être dans un bien de leur religion tant qu'ils se dépêcheront de rompre le jeûne. De même que retarder la rupture du jeûne, c'est de l'exagération dans la religion et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enjoint, qui nous a conseillé de se dépêcher de rompre le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas la prière du Maghrib avant de rompre le jeûne. D'abord, il rompait le jeûne, ne serait-ce avec rotam, avec des dattes fraîches. S'il ne trouvait pas des dattes fraîches, bitumayrat, avec des dattes sèches. S'il ne trouvait pas des dattes sèches, avec de l'eau. Après avoir rompu son jeûne, il faisait la prière, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et si le jeûneur ne trouve rien avec quoi rompre, par exemple, il est sur la route, il est quelque part, il n'a même pas d'eau, il n'a rien. L'heure de Maghrib est entrée. Il doit rompre le jeûne avec son intention au moins. Au moins dans son intention, il met dans son cœur l'intention qu'il a rompu le jeûne, c'est-à-dire qu'il n'est plus en état de jeûne. Et il ne fait pas comme font certains ignorants, quand ils n'ont rien à manger, ils se mangent les doigts, ils se frottent les doigts. Ça existe dans certains pays, ça. Non, dans la bouche. Et par contre, que quelqu'un fasse bien attention de ne pas rompre le jeûne avant l'heure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Et il a parlé des gens qui se font châtier, fil akhira, dans l'au-delà, qui sont accrochés par leurs chevilles, la tête vers le bas, et leur bouche déchirée, qui est en train de couler du sang. On a dit, qui sont ceux-là? Ils ont dit, ce sont ceux qui ont rompu le jeûne avant que ce soit le moment. Celui qui il a eu juste un doute. Il a comme ça, il se dit, tiens, ah, c'est peut-être le Maghrib. Ah, c'est peut-être le Maghrib, là. Allez, hop, il mange. Celui-là, il devra rattraper son jour de jeûne. S'il voit qu'il aura mangé avant le Maghrib. Parce que pour rompre le jeûne, ou bien il faut être sûr, c'est-à-dire l'entrée de l'heure de le Maghrib, ou bien pencher fortement que l'heure du Maghrib elle est entrée. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu, proche de l'heure du Maghrib, des nuages épais qui sont venus. Tout le monde a cru que c'est l'heure du Maghrib. Il a fait nuit d'un coup. Ils ont rompu le jeûne. Après les nuages sont partis, ils ont vu que le soleil n'était pas complètement couché. Ils ont fini leur journée, alhamdulillah, wa laysa alayhim shay. Ils n'ont pas eu à rattraper ce jour-là. Donc si tu penses vraiment que le jour du jeûne il est fini et tu as rompu le jeûne, il n'y a pas de mal. Voilà qu'il si juste un doute, tiens, peut-être le Maghreb il est rentré. Si par exemple tu es dehors
et tu vois que ça y est, il fait nuit. Tu crois que ça y est, l'heure du Maghreb, elle est rentrée, t'as mangé. Là, tu n'auras pas à rattraper ton jour jeune. Après, un nuage, il s'écarte et on voit qu'il fait encore jour. Par contre, si tu es là, tu n'as pas vu l'heure de Maghreb rentrer, ni même le Mouadhin faire la dinde, tu commences à manger juste parce que tu penses comme ça, ça, ce n'est pas valable. Ce jour-là, il faudra que tu le rattrapes. Non. Il faut faire attention aussi pour la rupture de jeûne, de ne pas écouter Akhbar, la yuqbal fi hadha shay, la nartamid al akhbar al afal, ou al sirar, ou al masadir ghir mouathaqa. Non. Ou al masadir ghir mouathaqa. On ne s'appuie pas sur des enfants pour nous dire l'heure du Maghreb elle est rentrée. Peut-être il peut se tromper. Un jeune enfant qui ne sait pas bien, on lui dit tiens, regarde dans le calendrier. C'est à quelle heure? Il va venir te voir, il va dire c'est telle heure. Ça y est, c'est l'heure. Après tu manges, tu vois que ça, c'était le, il y a une semaine, il s'est trompé de jour. Donc il faut faire attention, il ne faut pas prendre des nouvelles de n'importe qui en ce qui concerne la rupture du jeûne. De même que si l'heure de Fajr est rentrée le matin, alors dans ce cas-là, c'est là le moment où il faut arrêter de manger. De même que le moment où on s'arrête de manger et de boire, c'est l'heure de l'Fajr. Ce n'est pas, il n'y a pas une heure qui s'appelle l'Imsak avant le Fajr, ça n'existe pas. Comme on voit dans beaucoup de calendriers qui sont distribués un quart d'heure, 20 minutes avant l'Fajr. Cela n'existe pas en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si Bilal fit l'adhan, car Bilal il faisait l'adhan dans la nuit, le premier adhan, mangez et buvez. Et quand Ibn Ummi Maktoum il fait l'adhan, arrêtez de manger et de boire. Donc ça prouve bien que l'imsak, c'est le fajr et non pas 20 minutes avant le fajr, comme les gens font. Non. Certains, ils écoutent l'adhan à la radio. Il faut faire attention qu'on ne soit pas dans une ville où ce n'est pas les mêmes horaires que l'adhan à la radio. Quelqu'un écoute la radio, il est dans une ville où les horaires de la prière sont complètement différents. Ce n'est pas valable. Non. Il faut suivre dans ce cas-là le calendrier de l'heure de fête de cette ville-là. Il annonce la ville. Elle est moyenne. Si quelqu'un ne fait pas attention et l'entend, il faut faire attention à cela. De même, Ikhwat al-Iman, et on va finir avec ça pour l'Imsak, après on va entrer dans le Fattirat, dans ce qui peut rompre le jeûne. Si quelqu'un est en train de boire et de manger. Et d'un coup, il entend l'adhan. Ou bien, d'un coup, sa famille lui dit, ça y est, c'est l'heure. L'heure, elle est entrée. Il finit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous entend l'adhan et il a son verre dans la main, qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il finisse son besoin. Jusqu'à ce qu'il comble son besoin. C'est-à-dire que s'il a encore soif, il finit son verre. Et s'il a encore faim, il finit ce qu'il a dans la main. Non. Idan Mufattira, les choses qui rompent le jeûne, barakallahu fikoum. Ça, c'est très important ce que je vais dire, retenez-le bien. Il y a trois choses, trois conditions pour que le jeûne il soit rompu. Par exemple, si quelqu'un prend un Mufattira, prend quelque chose qui fait rompre le jeûne, la nourriture, un médicament, n'importe quoi, toutes ces choses, elles font rompre le jeûne, comme on va le voir plus tard. S'il l'a fait par ignorance, il était ignorant, il ne savait pas du tout que ça fait rompre le jeûne. Par exemple, quelqu'un, il était ignorant, il a pas pu savoir que de prendre un médicament, par exemple, ça fait rompre le jeûne. Après, il vient demander, il dit, est-ce que prendre un médicament, ça fait rompre le jeûne? Oui. Si tu l'as avalé par ta bouche, ça rompt le jeûne. S'il était ignorant, son jour sera valable. Son jour sera valable, il n'aura pas besoin de rattraper ce jour-là. Car il était ignorant. Et l'ignorant, il sera excusé de son ignorance, bichart, à une seule condition. Par exemple, s'il est dans un endroit où il n'a pas accès à la science, ou bien il ne peut pas demander facilement à quelqu'un qui a la science autour de lui. Ou bien, c'est un nouveau converti, il vient d'entrer en islam. Ou bien, c'est quelqu'un qui était loin de l'islam, même d'origine musulmane.
musulmane, il ne connaît pas grand chose et ça fait pas longtemps qu'il a commencé à pratiquer. Il ne connaissait rien. Et peu à peu, il commence à apprendre des choses. Ah, voilà, il y a un celui-là, il est excusé de son ignorance. Mais quelqu'un qui vient à la mosquée, qui ça fait des années qu'il est musulman, celui-là, il n'est pas excusé. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de demander. Il a la possibilité de se renseigner. Et deuxième chose en ce qui concerne l'ignorance, ce n'est pas valable en islam de demander à n'importe qui. Par exemple, souvent on vient me voir, « Ah, j'ai fait telle chose. »« Tayyib, pourquoi tu l'as faite ?»« J'ai entendu dire. » »« J'ai demandé à quelqu'un à la mosquée. »« J'ai demandé à quelqu'un à la mosquée. » »« Tayyib, est-ce qu'à la mosquée, tous les gens qui sont assis, c'est des ulama ?» Non. Il y a des gens, c'est des ignorants. Il y a des gens qui connaissent un peu. Il y a des gens qui connaissent plus. C'est pas parce qu'il vient à la mosquée que c'est un connaisseur de l'islam. Il est venu pour apprendre sa religion, pour pratiquer sa religion. Donc quand il s'agit des questions religieuses, il faut demander aux spécialistes de ce domaine-là. Et non pas à tous ceux que tu croises dans la rue, ou là à gauche, ou là à droite. Sinon, il va t'égarer. Et dans le shart al-awwal, la première condition pour que quelque chose soit considéré comme muftir, qu'il rompe le jeûne, premièrement, c'est que la personne ne le fasse pas jahilan, par ignorance. Quelqu'un qui ne le fait pas oublier. Il a oublié. Il a oublié, il mange. Il a oublié, il boit. Il a oublié qu'il est pendant le Ramadan. Il approche sa femme. Carrément, il a oublié. C'est les ulama, ils expliquent ça. Par exemple, quelqu'un, il a l'habitude d'approcher sa femme après le fajr. Sans faire exprès, par habitude, il s'est approché d'elle. Il a fait l'acte. Il a oublié. Après, elle aussi, elle a oublié. Lui, il a oublié, elle a oublié. Et d'un coup, il se rappelle. Donc, quand il se rappelle, bien sûr, il doit arrêter. Manger ou boire, c'est la même chose. Quand il se rappelle, il doit arrêter de manger. C'est pas comme pour le matin. Il doit sortir tout de suite ce qu'il y a dans sa bouche. Il finit pas, il se dit pas, puisque j'ai mangé, et Allah Kamel, je vais finir le verre qu'il y a dans ma main, puisque j'ai mangé, je finis mon sandwich. Là, dès qu'il s'en rappelle, il devra s'arrêter. Tout de suite. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَى. Il n'aura pas à rattraper un jour. L'imam, les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de vous mange ou boit pendant son jour de jeûne, par oubli, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième condition. La troisième condition c'est qu'il soit mortal, rien mortal ou à la boucra. Celui qui est contraint, celui qu'on a contraint à manger pendant le Ramadan. Par exemple, on l'a menacé. Si tu ne manges pas, on te fouette. Mais une vraie peur, c'est pas juste avec des paroles. La contrainte c'est pas si tu manges pas, on va plus te parler, on va te sortir de la maison. Ça compte pas ça. Ou bien ils vont être fâchés contre moi. Par exemple, des fois il y a des convertis qui n'osent pas jeûner parce que leurs parents ils veulent pas, ils sont pas au courant. Il faut qu'ils jeûnent obligatoirement. La seule contrainte qui est acceptable, c'est s'il a peur de perdre un membre, ou peur qu'on le châtie corporellement, ou peur qu'on le tue. Mais sinon, juste parce qu'on a eu la peur qu'on lui dise oui ou non, ou qu'on lui fasse la tête, ou bien qu'on le sorte de la maison alors qu'il est adulte, ça, c'est pas une contrainte. Ça, c'est pas une contrainte. C'est pas acceptable pour pouvoir rompre le jeûne. Barakallahu fikoum. Et là, les trois conditions qu'il faut pour que une chose rompe le jeûne, c'est que la personne ne le fasse pas par ignorance, que la personne ne le fasse pas par oubli, et que la personne ne le fasse pas par contrainte. Si ces conditions ne sont pas réunies, alors ce mufattir, alors cette chose-là qui rompt le jeûne, elle rompra effectivement le jeûne. Parmi les choses qui font rompre le jeûne, il y a deux sortes. Il y a ceux qui sortent du corps, comme la personne qui se force à vomir. Par contre, celui qui vomit sans se forcer, s'il n'avale pas une partie de son vomi, son jeûne est valable. La personne s'en fait exprès, elle vomit parce qu'elle est malade, après il veut continuer son jeûne car elle se sent bien, son jeûne est valide. Mais celui qui se force à vomir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui-là, son jeûne est invalide. Parmi les choses qui rendent le jeûne invalide, c'est
Par exemple, chez la femme, les menstrues. Quand elle a ses menstrues, c'est fini. Même si, par exemple, 5 minutes avant l'heure du Maghrib, une femme, elle a ses menstrues, elle a ses règles, ce jour-là ne comptera pas. Il faudra qu'elle rattrape cette journée-là. Voilà. Parmi les choses qui ne rompent pas le jeûne, que beaucoup de gens pensent qu'ils rompent le jeûne, l'ibada, les piqûres. Que ce soit une piqûre qui soit dans les muscles ou dans les veines, ça ne rompt pas le jeûne à condition que ce ne soit pas de la nourriture ou bien quelque chose pour renforcer le corps qui remplace la nourriture, comme par exemple le glucose. Qu'on donne quand on est malade, par exemple à l'hôpital, quand on est hospitalisé, avant de manger, puisqu'on a été anesthésié, on nous donne du glucose. Ça rompt le jeûne, car ça remplace la nourriture. Par contre, si c'est des antibiotiques, de l'insuline, des médicaments, un anti-inflammatoire, si c'est mis par piqûre directement, que ce soit dans les muscles ou dans les veines, ça ne rompt pas le jeûne. Mais par contre, les médicaments qu'on avale, ça rompt le jeûne. Car ça rentre dans ma'na al-akl. Hada yadkhulu fi ma'na al-akl. Car tu as rentré quelque chose dans ton estomac qui va quoi ? Qui va faire qu'il n'est pas vide, qu'il est rempli. Donc, ça diminue la sensation de faim. Donc, si quelqu'un est obligé de prendre des médicaments dans la journée, car il est malade, ou pour sa santé, car c'est une nécessité, alors il les prendra et il devra rattraper ce jour de jeûne, obligatoirement. Ce jour-là n'est pas valable, même s'il n'a rien mangé d'autre dans la journée. Et les suppositoires ? Non. Les suppositoires, ça ne rompt pas le jeûne, car ça ne va pas à l'estomac. Ça ne va pas à l'estomac. Donc, si quelqu'un a besoin de prendre ce médicament-là, ça ne rompt pas le jeûne. Non. Mais c'est mieux. Si quelqu'un il peut éviter de le prendre dans la journée, il le fait avant le Fajr et après le Maghrib, si c'est suffisant. Mais si quelqu'un il a besoin de le prendre en journée, il le prendra et son jeûne sera valide, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. De même, la vente au lit, ça ne rompt pas le jeûne. Car c'est du gaz, ça va dans les poumons, ça ne va pas dans l'estomac. C'est du gaz compressé qui va directement dans les poumons. Donc ce n'est ni mangé, ni bu. Ça ne va pas dans l'estomac. Tout ce qui ne va pas dans l'estomac, ça ne rompt pas. Tout ce qui ne descend pas dans l'estomac, ça ne rompt pas le jeûne. Non. Kadhalika, celui qui a besoin de faire des analyses sanguines, il pourra les faire et son jeûne sera valide. S'il peut éviter de les faire pendant Ramadan, c'est mieux, car ça peut l'affaiblir. Le fait qu'on lui retire du sang, ça peut l'affaiblir. Comme par exemple les dons de sang. Quelqu'un qui veut faire un don de sang, il évitera de le faire pendant Ramadan. Pendant le Ramadan, il vaut mieux qu'il évite, car certains savants voient que ça peut faire rompre le jeûne. Bien que le plus juste, c'est de dire que c'est détestable, mais ça ne fait pas rompre le jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait pratiquer la saignée pendant qu'il jeûnait, l'hijab. On a déjà fait l'hijab au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan. Donc, il n'y a pas de mal à faire un don de sang si on peut le faire. Mais c'est makruh, c'est détestable. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui tire le sang et celui dont on tire le sang, ils peuvent rompre le jeûne. Ils ont rompu le jeûne. Dans le sens où celui qui tire le sang, à l'époque, il le tire en aspirant. Il aurait pu avaler du sang, donc ça fait rompre son jeûne. Et celui à qui on a tiré du sang, il peut être faible. Après, ça va le pousser à rompre son jeûne. Donc c'est détestable. Il vaut mieux éviter tout ce qui est les dons de sang pendant le mois de Ramadan. Par contre, les petites analyses où on prend peu de sang, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Kadhalika, le fait de laver les oreilles, ou bien de mettre des gouttes dans les yeux, ou des gouttes dans les oreilles, ou même dans le nez, ça ne rompt pas le jeûne. Dans le nez à une condition, à condition de ne pas avaler ce qui descend du nez à la bouche. Si ça descend, par exemple, quelqu'un met des gouttes dans son nez, le goût descend à la bouche. Si bien sûr il a mis ces gouttes-là après le fajr, s'il les a mis avant le fajr, il n'y a pas de mal. S'il a mis les gouttes dans le nez après le fajr, dans la journée, et le goût descend dans la bouche dans la journée, il devra le recracher, il ne doit pas l'avaler. S'il le recrache, son jeûne, il est valide. S'il l'avale, ça fait rompre son jeûne. Car le nez et la bouche sont deux endroits par lesquels
d'habitude, la boisson peut rentrer. Comme par exemple quand quelqu'un est fait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ». C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et exagère dans le lavage du nez, sauf si tu es en état de jeûne ». Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas exagérer dans le lavage du nez quand on est en état de jeûne? Pour ne pas justement avaler de l'eau. Non. Quelqu'un, il y a certaines personnes, des épileptiques, qui ont besoin de mettre une espèce de capsule sous leur langue pour que leur crise d'épilepsie passe. S'ils le mettent sous la langue, ils n'avalent pas le produit, parce que ça, c'est juste la nécessité, c'est de le mettre sous la langue, c'est pas d'avaler le produit pour certaines maladies. S'ils mettent cette capsule juste sous la langue et ils n'avalent pas le goût, le produit qui s'est mis dans la bouche, ils le recrachent, leur jeûne est valide. C'est-à-dire, le jeûne, il faut savoir quand est-ce que le jeûne n'est pas valide, quand ça dépasse la gorge. Quand quelque chose dépasse la gorge, ça rentre, c'est fini. Mais tant que ça ne dépasse pas la gorge, le jeûne il est valide. Sauf celui qui le fait sans faire exprès. Par exemple, quelqu'un fait les ablutions. Sans faire exprès, il a avalé de l'eau. Ah là, son jeûne, il est valide. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Mais quelqu'un qui prend un médicament, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas exprès. Il a fait exprès de le prendre. Donc, il doit faire attention de ne pas avaler, c'est-à-dire pas un médicament, une capsule sous la langue. Pas quelque chose qui est fait pour être avalé ou juste... comme par exemple les comment ça s'appelle ça, l'homéopathie. Ça, c'est pas permis. Parce que l'objectif, c'est d'avaler ce qu'il y a autour de la petite capsule. Ça, on parle d'une certaines maladies spécifiques où on met une capsule juste sous la langue pour calmer les crises d'épilepsie, par exemple, mais on n'avale pas le produit qui pourrait rester dans la bouche. Ah, là, ça n'annule pas la bouche. Une personne, par exemple, aussi, qui a besoin de faire... Il est très malade, il ne peut pas faire ses examens en dehors de Ramadan. Ça peut être que pendant Ramadan, on est obligé de lui rentrer une caméra dans la bouche et dans l'estomac pour aller regarder son estomac. Cette caméra-là ne fera pas rompre le jeûne à condition qu'on ne lui donne pas du glucose quand il va se réveiller de l'anesthésie. Si, quand il se réveille de l'anesthésie, on lui donne du glucose ou de la nourriture, c'est-à-dire en liquide, son jeûne ne sera pas valide. Là. De même, quelqu'un à qui on aura mis qui a besoin de se faire soigner les dents pendant le Ramadan, il a trop mal, il ne peut pas attendre en dehors de Ramadan. On va, on lui creuse la dent, on lui met du plombage, et après il trouve le goût du plombage dans sa bouche et il l'avale. Son jeûne sera valide. Car il a soigné sa dent pour une nécessité. Il n'a pas cherché à manger ou à boire ou bien à rentrer quelque chose dans son... dans son estomac. Là. De même, si quelqu'un a besoin de faire un bain de bouche parce qu'il a des ulcères ou des ulcérations ou des aftes dans la bouche, il lui sera permis de faire le bain de bouche à condition de ne pas avaler, bien sûr, le produit. Juste de laver sa bouche avec et de recracher, bien rincer sa bouche et de recracher. Si, par exemple, quelqu'un aussi met une crème, mais de la crème ou un produit ou de l'huile d'olive sur son corps. Et ça pénètre son corps. Ça ne rompt pas le jeûne. Ce qui rompt le jeûne, c'est ce qui rentre par la bouche et le nez. Là. De même, si quelqu'un, on a besoin de lui prendre par exemple un prélèvement de son foie ou d'une partie de son corps et on l'a endormi, on lui a fait l'anesthésie. Ça ne fait pas rompre le jeûne à une seule condition, à condition qu'on ne lui mette pas après du glucose quand il se réveille. Si on lui a mis du glucose ou de la nourriture, là, comment ils appellent ça? Le liquide. Non, c'est pas ça, c'est du sérum, on va le faire avec. S'ils ne lui mettent pas du sérum, c'est-à-dire qu'il remplace la nourriture, s'ils lui mettent du sérum à son réveil, son jeûne ne sera pas valide. Il sera invalide, donc il sera obligé de rattraper ce jour-là. Là. Ça, on va parler d'un dernier point qui est important. Celui qui mange et qui boit. Man akala aw shariba amidan fi nahari Ramadan. Celui qui mange ou qui boit volontairement pendant un jour de Ramadan. Premièrement, il a fait un grand péché. On a parlé
du châtiment de ce péché-là, qu'il sera accroché par ses talons, la bouche déchirée et le sang en coulera. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que cette personne-là, le jour où il veut s'en repentir de son péché, le jour où il veut rattraper, est-ce qu'il pourra rattraper ces jours-là? Ou est-ce qu'il ne pourra pas rattraper ces jours-là? En ce qui concerne le kafara, awwalan, le kafara, shahrayn mutatabi'in, hada khasun bil jima. Ça, c'est spécifique au jima, celui qui a fait l'acte avec sa femme, et non pas celui qui a mangé et qui a bu. Comme cette personne qui est venue voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il se tapait le torse, il disait je suis perdu. Il a dit pourquoi? Il a dit j'ai fait l'acte avec ma femme pendant Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné al-kafara, de libérer un esclave, ou bien de nourrir, ou bien de jeûner, ou bien de nourrir. Donc de libérer un esclave, il a dit je n'ai pas. Il a dit alors jeûne 2 mois d'affilée. Il a dit qu'est-ce qui m'a fait tomber dans le haram à part le jeûne? Il a dit voilà, c'est ça que j'ai pas pu tenir déjà un jour. Comment je vais tenir 2 mois? Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit nourris 60 pauvres. Il a dit j'ai rien. Quelqu'un est venu avec une sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, il a dit tiens prends ça et nourris les 60 pauvres avec ça. Il a dit à Rasoulallah, est-ce qu'il y a une famille plus pauvre à Médine que moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit prends-le, il a rigolé. Il a dit prends-le et pars. Et il a rigolé alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit celui-là vraiment il a tiré jusqu'au bout. Non. Et donc, al-kafara, l'expiation de 2 mois d'affilée, c'est seulement pour celui qui a fait le jima', qui a fait l'acte avec sa femme pendant les jours de Ramadan. Celui qui a mangé ou bu, il a kafara ta'ali. Parce qu'il n'y a pas de dalil sur ça. Le seul preuve, c'est pour celui qui a fait le jima'. C'est spécifique, c'est une punition pour le jima', pour le fait d'avoir fait l'acte avec sa femme, ou la femme avec son mari aussi, si une kant radia. Si elle n'a pas été mukraha, elle n'a pas été contrainte, elle aussi elle devra jeûner 2 mois d'affilée. Non. Plus rattraper le jour de Ramadan. Car il y a des versions du hadith qui dit qu'il a fait le kafara, plus le jour où il n'avait pas fait, il doit le rattraper. Donc il avait raison, c'est Abi Khaled, 61 jours, mais pas pour celui qui mange et qui boit, ça c'est pour celui qui fait le jima'. Celui qui mange et qui boit, il y a ikhtilaf entre les savants. Certains disent qu'il devra rattraper son jour. D'autres disent qu'il n'aura rien à faire à part Tawba. Pourquoi? Ils disent parce qu'Allah il lui a demandé de jeûner Ramadan, le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il a un début, il a une fin. Lui, il n'a pas voulu jeûner pendant le mois de Ramadan. Allah, il n'acceptera pas de lui s'il jeûne à un autre moment. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Et Allah yaruddu, la yaqbal hadha al-'amal. Wa amru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tasuma fi nahar Ramadan, laysa fi ghayri. Laysa fi ghayri. Donc, ceux qui disent que alayhi al-qada, qu'il doit rattraper, ils se disent car c'est une chose qui lui reste obligatoire, il doit la rattraper. Et les autres ils disent non. Si ce qui était obligatoire c'était de jeûner Ramadan il est passé, on ne peut pas lui rendre obligatoire une autre chose. Car ce jour-là maintenant qu'il va jeûner, ce n'est pas Ramadan. Et donc il ne pourra jamais rattraper. La seule chose qui lui reste à faire c'est quoi? Kathratu siyam al-nafila. De faire beaucoup de jeûnes surrogatoires, nafila. Car yawm al-qiyam, comme il est venu dans le hadith, les gens vont venir awwal ma yuhasab alayhi al-'abd min al-a'mal as-salat. La première chose qu'on va lui demander c'est la prière. Si elle n'est pas complète, Allah Ta'ala va venir regarder dans ses prières surrogatoires, dans ses prières en plus, pour compléter l'obligation, ce qui manque dans les obligations. Puis on va faire pareil avec toutes les obligations, avec le siyam, avec le zakat, etc., etc. Et donc, Allahu A'lam, le plus juste c'est de dire que cette personne, alayhi bittawbatin nasuha, il doit faire un repentir sincère, savoir la gravité et la grandeur du péché qu'il a fait. وعليه أن يكثر من صيام تنفل أو تطوع. Et il fait beaucoup de jeûnes surrogatoires pour rattraper le manquement qu'il a eu pendant Ramadan. Wallahu a'lam. Na. L'expiation 2 mois d'affilée. شهرين متتابعين. D'affilée. Si quelqu'un est jeûne, par exemple, 2 mois,
Il lui reste un jour pour finir. Il mange. Il devra recommencer 2 mois d'affilée. La femme, parce qu'elle a une excuse valable, dès qu'elle a ses règles, elle arrête de jeûner. Dès qu'elle finit, elle reprend automatiquement, obligatoirement. Pareil, quelqu'un qui fait 2 mois d'affilée et il vient par exemple à Eid al-Adha, l'Aïd. C'est haram de jeûner l'Aïd. Donc cette personne, qu'est-ce qu'il fera? Le jour de l'Aïd, il ne mange pas et après il suit. Après, le lendemain, il reprend pour finir ses 2 mois d'affilée. Non. On va finir un dernier point. Si nous, on voit quelqu'un, il a ahadu minna, shakhsan ya'kulu ou yashrabu nasiyan. Mada ali? Alika tunabbihahu. وأن تأمره تقول له اتق الله نحن في نهار رمضان قد ينسى الإنسان فأنت تذكره. Si tu vois quelqu'un boire ou manger pendant le Ramadan par oubli par exemple, tu dois le rappeler, lui dire ya akhi, nous on est pendant Ramadan, arrête de boire, arrête de manger. Alors il va se rappeler, il va arrêter. Non. Dernière chose, et ça beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ignorent cette chose-là, surtout les commerçants. Il n'est pas permis à un musulman de vendre à manger ou à boire pendant les jours de Ramadan. Sauf à un voyageur ou à un malade. Même à un mécréant, c'est interdit. Allah, il a ordonné à tout le monde le jeûne. Est-ce que l'islam, il est descendu juste pour les musulmans ou pour l'alamine, pour tout le monde? Pour tout le monde. Est-ce que Allah, c'est le seigneur de tout le monde ou c'est seulement le seigneur des musulmans? C'est le seigneur de tout le monde. Allah Ta'ala, en parlant des koufars et au moment de Qiyama, quand ils vont être en enfer, on va lui dire, mais ça n'a qu'à confier sa part. Pourquoi on se fait châtier? On ne faisait pas la prière. On ne donnait pas à manger aux pauvres. On parlait de choses futiles avec ceux qui perdent leur temps. Et on traitait de mensonges le jour du jugement dernier, jusqu'à que la certitude nous est venue. Donc ils disent qu'ils se font châtier à cause de ce qu'ils ont délaissé de la prière, des obligations de l'islam. Pourtant, ils n'étaient même pas musulmans. Ça prouve que les non-musulmans sont mukhatabin. Allah leur a demandé, comme à tous les hommes, de leur obéir. Et d'un musulman, il n'a pas le droit d'aider un homme à désobéir à Allah. Car Allah Ta'ala a dit, et entraidez-vous au bien et à la piété, ne vous entraidez pas au péché ou à l'adouan. Écoutez bien, il n'est pas permis à un musulman de lui préparer, de lui donner ou de lui vendre s'il sait qu'il va manger pendant le Ramadan. Mais, si tu vois un kafir manger devant toi ou boire, est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Non. Il y a une différence entre le fait que Allah lui a demandé de faire cette chose-là, et entre le fait que dans ce bas monde, on lui demande de faire cet acte-là, nous, en tant qu'être humain. Nous, en tant qu'être humain, par exemple, on serait dans un pays musulman. On serait dans un pays musulman qui pratique les lois de l'islam. Un non-musulman qui vit dans ce pays mange. Est-ce que le dirigeant des musulmans, le juge, a le droit de l'attraper et lui dire « Tu manges pas, on est fi Ramadan » ou il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit, il le laisse manger. Par contre, on ne l'aidera pas à manger. Quelqu'un ne lui vendra pas, quelqu'un ne lui préparera pas. Même s'il le prépare devant toi, il n'y a pas de mal. Jazz, il le prépare devant toi. Il mange, il a le droit. Mais toi, tu ne lui prépares pas. Pour que toi, tu ne t'associes pas à son péché. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا